Comme ils disent, écrit par Isabelle Trivino. Il paraît qu'il faut écrire, pour laisser une trace, comme ils disent. Oui mais, une trace d'encre virtuelle sur l'ordinateur qui attend patiemment sur le bureau qu'on lui donne autre chose à manger que du travail. Du télétravail, comme ils disent. Oui mais, depuis quand écrire est un travail Depuis toujours, sûrement. Même si c'est un travail de soi-soi avant toute chose. Alors, j'écris. J'étais ce qu'il me passe par la tête devant cet écran vide, page blanche abstraite, où le temps attend qu'on le remplisse de souvenirs. J'écris sur ce qui me transperce, sur ce temps qui s'allonge, sans que j'arrive pourtant à en mesurer le tempo. Ce temps qui, trop souvent, nous manque, me manque, qui, trop souvent, nous ment. Ce temps qui se rit de nos vies dites normales, passées à l'ignorer, ou à en faire l'inverse un leitmotiv, comme ils disent. Comme ils disent que rien ne sera plus jamais comme avant, j'écris. Comme ils disent qu'il faut laisser une trace pour après, j'écris. Comme ils disent qu'il faut bien remplir ce nouveau présent, j'écris. Et comme ils disent, je me frotte les mains de ce néant qui s'élargit devant moi. Et comme ils disent, je m'en lave les mains à en faire craquer la surface. Et comme ils disent, je retiens mon souffle à chaque intersection même lointaine. Et comme ils disent, j'en perds haleine. Peut-être que les bourgeons auront éclos. Peut-être que les nids seront déjà peuplés. Peut-être que comme le feu, l'air aura cessé de tout faire disparaître. C'est peut-être ça l'après, disparaître. Disparaître et laisser place à une page blanche, nouvelle, ou juste un livre ouvert au chapitre 2. Alors, comme ils disent qu'il faut écrire, j'écris, pour laisser une trace. Une trace de cette bulle intemporelle où le temps n'a jamais été aussi palpable. Une trace virtuelle pour essayer de ne pas couper ce fil menu, fragile, et pourtant essentiel, qui fait qu'un je t'aime écrit là, vaut tout l'air du monde. Alors j'écris, je t'aime.